Dreamliner se montre enfin en Europe. Plusieurs mois après son premier vol d'essai en décembre dernier, le nouveau beau bébé de Boeing a pour la première fois été dévoilé hors des États-Unis. C'était ce dimanche à Farnborough, en Angleterre. Destiné à être le principal concurrent de l'A380, le B787 Dreamliner est le seul avion composé à 50% de matériaux composites, un choix technologique qui lui permet d'économiser 20% de carburant par rapport à des avions de même taille. Commandé à 860 exemplaires, ce nouvel appareil long courrier accuse un retard de 2 ans et il faudra encore patienter avant de le voir passer au-dessus de nos têtes. Boeing vient en effet d'annoncer que l'avion, qui devait être livré fin 2010, ne sera pas disponible avant début 2011.